Aujourd'hui, la mafia la plus puissante, c'est la 'Ndrangheta. Ce n'est plus la Cosa Nostra ni la Camorra. La 'Ndrangheta collabore avec les mafias du monde entier. Quand il faut tuer des gens, on les tue. À Duisbourg ou en Italie, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Mais une boucherie pareille. Les Européens ne voient pas le danger. Parce que la 'Ndrangheta est plus propre. De plus en plus propre. Aux yeux des gens, elle n'existe pas. Facciamo le papa, basta. Casiamo noi e comandiamo noi. Non è possibile. E chi sto perché? Perché gli viene permesso? Perché se non cristiano non partiva con la riga. Quando si faccio politica, si faccio così. Si faccio con la forza. Pure. No, con la diplomazia, venire come si faceva una volta. La 'Ndrangheta, comme les autres mafias, vote et fait voter. La 'Ndrangheta n'a pas d'idéologie. La 'Ndrangheta n'est ni de droite ni de gauche. La 'Ndrangheta vote pour le candidat, le parti ou la coalition la mieux placée. Avril 2008. Campagne électorale à Palmi du candidat de gauche et président de la commission parlementaire anti-mafia, Francesco Forcione. Une campagne sous haute protection dans une ville à haute densité mafieuse. Ici, en Calabre, l'argent arrive et les entreprises naissent, vivent et meurent le temps de remplir la demande de subventions publiques. Ils s'en mettent plein les poches, on ne crée pas d'emplois. On meurt de ce pacte entre la santé et la mafia. Ils font péricliter la santé publique pour alimenter la santé privée. Quand vous devez aller à l'hôpital faire un examen, on vous dit il y a plus d'un mois, un mois et demi d'attente. Et pour une attaque, c'est 3 mois. Parce qu'ils ne pensent pas que dans 3 mois, ce sera peut-être trop tard. Mais quand on vous annonce 3 mois d'attente, on vous dit aussi, si vous voulez, je connais un laboratoire privé où on vous le fera dans les 15 jours. Alors vous allez dans un laboratoire ou une clinique qui n'a privé que le nom, car elle est entièrement financée par l'argent public. 2 jours avant les élections, une information filtre du parquet de Reggio. Le sénateur Dell'Utri, un proche de Berlusconi, aurait troqué 50 000 voix d'Italiens à l'étranger contre l'assouplissement du régime carcéral d'un boss calabrais. Dell'Utri, un récidiviste. 9 ans de réclusion pour collusion avec la Cosa Nostra sicilienne. Il faut faire toute la lumière. Désormais, la 'Ndrangheta a établi un système international pour exporter toutes les activités pratiquées en Calabre, du trafic de drogue au contrôle de l'économie et jusqu'au contrôle sur les votes. Avec l'exportation du système 'Ndrangheta, la cousine pauvre de Cosa Nostra s'est hissée dans une indifférence quasi générale au premier rang des mafias italiennes. Il aura fallu la nomination d'un Calabrais à la tête de la commission parlementaire anti-mafia pour que les institutions s'interrogent enfin sur le pouvoir de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta est pour ainsi dire présente dans toutes les communes, grandes et petites, avec des clans qui imposent sur le territoire les règles criminelles. San Luca a été l'un des fiefs mafieux les plus importants. San Luca est ce qu'ils appellent une maison mère, l'une des premières. Celui qui dirige San Luca est plus important que celui qui dirige Reggio. San Luca est le gardien des tables de la loi, l'élite de la 'Ndrangheta. Dans certaines régions à haute densité mafieuse, surtout dans la province de Reggio, la 'Ndrangheta contrôle jusqu'à la respiration des gens. Jour d'élection à San Luca. Un vote sous haute tension, 8 mois après la boucherie de Duisbourg. Dans les terres de la 'Ndrangheta,
les voix s'achètent par paquets. Convaincre un électeur peut faire tache d'huile sur une famille entière. Monnaie d'échange, un vote peut rétribuer un emploi, un lit à l'hôpital. C'est un système, un véritable système. À San Luca, en Calabre ou ailleurs, c'est partout pareil. La seule différence, c'est que dans certains endroits, ça se voit plus et dans d'autres, ça se voit moins. Selon certaines études, on estime l'incidence du vote mafieux à 5% dans le sud de notre pays. Détenir 5% des voix, ça signifie avoir le contrôle sur plus d'un tiers du pays. Et je me demande quels sont les partis qui ont la force morale de refuser ces 5% de vote mafieux. Avril 2008, Ranmare Berlusconi. À Reggio, comme dans toutes les régions mafieuses, un véritable plébiscite. Au programme de la lutte anti-mafia version Berlusconi, tir à boulets rouges sur les magistrats, coupe dans le budget accordé aux forces de l'ordre. Pour les alliés de Berlusconi, maire de Reggio inclus, l'ennemi est ailleurs. Slogans et mesures d'exception diabolisent les immigrés. Dans l'Italie du Cavaliere, le danger n'a pas pour nom 'Ndrangheta. Il a pour nom les Roms. Trois ans plus tôt, le 4 avril 2005, Francesco Fortunio, médecin-chef aux urgences de l'hôpital de Locri, est élu vice-président au Conseil régional. Six mois après les élections, le politique est assassiné. Sur le banc des accusés, le système de santé. Témoin à charge, sa veuve. On ne se croyait pas en danger, on ne pensait pas que Franco avait fait. Aujourd'hui encore, je voudrais comprendre. Quelle est la raison? Je l'ignore. Les choses bizarres ne se voient pas. Jamais je n'aurais imaginé, même si on ne pensait pas non plus qu'il ne se passait rien. Celui qui l'a tué devait se dire que Franco, qui allait toujours de l'avant, ne renoncerait pas. Il ne pouvait pas l'arrêter. Alors, ils ont décidé de le faire taire une fois pour toutes. L'onde de choc du cadavre exquis Fortunio brise l'omerta jusque dans l'hémicycle du Conseil régional. Grazie, Presidente. Onorevoli consiglieri. Oggi ci troviamo ad affrontare forse il problema dei problemi, forse il problema in assoluto, che è un problema di contiguità tra il settore della sanità e quello della criminalità organizzata, tra la sanità e la politica, tra la sanità e il mondo degli affari. C'est le plus grand défi qu'ait lancé la 'Ndrangheta aux institutions ces dernières années. Il faut ajouter que cette affaire se situe dans le monde de la santé. L'assistance publique de Locri est dissoute pour mafia, celle de Reggio est dissoute pour mafia. Il faut comprendre quel est le système d'intérêt qui incite la 'Ndrangheta à rompre avec ses habitudes, autrement dit à commettre un homicide qui va faire parler d'elle ce que la 'Ndrangheta évite depuis toujours. Oui, il y a effectivement des tentatives très fortes, très agressives, d'infiltration mafieuse dans les fournitures. Les fournitures et les services, les appels d'offres. L'achat de matériel. Dans la province de Reggio, la santé est désormais sous haute surveillance. À la tête de l'hôpital de Locri, un flic, un ancien collaborateur du juge Falcone dans les années de plomb de Palerme, un super-préfet nommé par le ministre de l'Intérieur pour assainir les pratiques du principal centre hospitalier de la région. Parmi les auteurs de l'homicide Fortunio, il y a un certain Marciano, qui était chef de salle ici.
Voilà le genre de lien qui existe avec le crime organisé. On a aussi des médecins par ici, des médecins qui sont des fils de mafieux. Et quand je dis des mafieux. Ce serait beaucoup plus facile si je pouvais renvoyer tous ces gens. Mais la loi ne me le permet pas. Moi, les financements que je reçois, je ne peux pas les dépenser pour les cliniques privées. Fortunio avait mis le doigt sur la santé privée. Il fallait supprimer les financements et les autorisations destinées aux cliniques. Les supprimer. Il avait mis le doigt sur la question en tant que politique. Moi, je pense que ça pourrait être l'une des raisons. Cette enquête porte sur les intérêts convergents de plusieurs clans mafieux. Diverse cosche mafiose. Questi interessi. Ces clans ont uni leurs efforts pour satisfaire leurs intérêts communs et s'efforcer de trouver un émissaire qui porte leurs requêtes sur le plan politique. Émissaire que nous avons identifié en la personne du conseiller régional Domenico Crea. Crea, selon nous, se serait chargé de porter les intérêts, les requêtes du crime organisé dans le monde politique, et en particulier celui de la santé. Après leur implication dans le système de santé, les politiques sont mis en accusation au port de Gioia Tauro, premier port de transit de la Méditerranée. Octobre 2008. Coup double pour le pool du magistrat Di Palma. Tombe le maire, son adjoint, l'élu d'une commune voisine, mais aussi l'émissaire de l'organisation sur les votes à l'étranger auprès du sénateur Dell'Utri. À la faveur de l'élection de Berlusconi, la 'Ndrangheta poursuit sa marche sur Rome. Le crime organisé est évidemment très présent sur une zone portuaire. Cela avait des activités. En fait, cela s'étend sur toutes les activités. Pas seulement sur le déchargement des marchandises, mais toutes les activités liées au port. L'entretien des navires, celui de la zone portuaire, sans parler des différents travaux d'agrandissement. Extension du port, rénovation de l'autoroute, les travaux publics sont une manne inépuisable et un avaloir sur les prochaines élections. À chaque marché, son boss. Alcune ditte che hanno lavorato nel tratto autostradale erano. Certaines des entreprises qui ont travaillé sur le tronçon autoroutier étaient à forte infiltration mafieuse. Elles s'étaient permises d'adjuger les appels d'offres de façon frauduleuse, en offrant des tarifs extrêmement bas, puis en trichant sur la qualité des matériaux, avec la complicité de la société qui avait remporté l'appel d'offres. On a aussi relevé l'infiltration de la 'Ndrangheta au sein même des syndicats. La communauté européenne attribue des subventions pour partie à fonds perdus, autrement dit, de l'argent pratiquement offert aux entrepreneurs.
Hélas, les projets sont présentés, mais quand les travaux commencent aussi pour donner l'impression qu'on entreprend vraiment quelque chose. Mais dès que les subventions sont accordées, on abandonne tout, on encaisse l'argent et voilà. Ces squelettes, ces charpentes sont toutes... Enfin, beaucoup sont des projets qui ont vu le jour et qui n'ont jamais abouti. La 'Ndrangheta a une espèce de monopole sur le narcotrafic international de cocaïne avec les trafiquants colombiens. Et ce monopole ne se limite pas à l'Italie. Il s'étend à toute l'Europe occidentale. Ce sont eux qui ont scellé ce pacte de fer avec les narcotrafiquants colombiens et qui gèrent le marché de la cocaïne pratiquement dans l'Europe entière. On pourrait dire que Milan est un carrefour, surtout en ce qui concerne les transactions économiques. Et le transit des stupéfiants, justement à cause de la position stratégique, géographique de la Lombardie, fait de Milan une étape plus que probable, pour ainsi dire même obligatoire, particulièrement si on considère la route dite des Balkans, pour ce qui est de l'héroïne, et la route ibérique, pour ce qui est de la cocaïne. De la Calabre, le cancer de la 'Ndrangheta se répand par métastase jusqu'au nord du pays. À Milan, des cellules filles gangrènent les mécanismes de la citadelle financière et économique. Repenti, Saverio Morabito fut l'une des têtes de pont de la 'Ndrangheta à Milan. À son palmarès, une dizaine d'enlèvements et une trentaine d'homicides. Un véritable cordon ombilical les lie à la Calabre. Tout ce qui se passe ici se fait avec l'approbation de ceux qui sont en Calabre. Tout est lié. Absolument tout. La banlieue sud de Milan, c'est la Calabre. Tout le trafic de drogue, tout ce qui se passe dans la région et à Milan même, c'est la 'Ndrangheta qui le gère. Absolument tout. Carmine Gallo, un incorruptible, de la Calabre à Milan, trois décennies à traquer la 'Ndrangheta. C'est pour ça qu'ils viennent tous ici. Ici, il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a tout à Milan. On va dans un endroit où on surveille un groupe de Calabrais, parce que d'ici peu... D'ici quelques jours, devrait arriver à Milan une grosse livraison de cocaïne. 200-250 kilos de cocaïne. Bravo, perfetto. Fatto a me mi sembrava strano. Ok, a me sembrava strano. Ok. Fausto si è sgangiato, sta seguendo in Audi. Ieri si è incontrato lì al bar. Andiamo anche noi, dai. Pronto? Che macchina è? Un Audi? No, siamo dietro a te se le cose stanno così. Ah, se ti vede già, dai. Sì. Ti vede la macchina, dai, ok. Papo. Ciao. Questo qui, questa macchina qui, è stata tutta ieri nel bar. Cioè, tutta ieri pomeriggio. Poi è andato via. Lo giuro, l'ha seguito fino a un paese qua fuori Milano. A... Dove sono? Ecco qui, la macchina è la DE. DE767 Firenze Y. Ma dove cazzo vanno queste? Non è che va a corso. Abbiamo seguito, abbiamo visto che va lì, abbiamo la certezza documentale che... in questo capannone che hanno qua possono
anche depositare la droga quando arriva. Depuis près de 30 ans, la banlieue sud de Milan est un territoire occupé. Chassé vers le nord à la fin des années 1960 par une loi visant à éloigner les mafieux de leurs terres, les dranguettistes passent du racket artisanal à l'industrie de l'enlèvement. Une industrie rentable. On avait imposé une certaine suprématie sur le territoire et on entendait la garder. Personne ne pouvait se permettre de nous marcher sur les pieds. Donc s'il fallait éliminer un type, on l'éliminait. Un homicide pour une organisation criminelle, c'est pas un problème. J'ai commencé par des petits larcins pour arriver tout en haut de l'échelle. C'était moi qui organisais, qui décidais, qui étudiais les stratégies. Quand on décidait de monter un trafic de drogue, de commettre un homicide, un enlèvement, c'était moi qui planifiais le boulot. Si j'ose dire. À la fin des années 1980, changement de stratégie. L'impopularité des enlèvements pousse la 'Ndrangheta vers le marché de la drogue. La voie royale vers l'internationalisation d'une mafia paysanne. Piazza Cavour, devant la librairie Feltrinelli. C'est l'un de mes informateurs. C'est lui qui sert de trait d'union entre un boss de la 'Ndrangheta et moi. Quand a éclaté la vendetta de Duisbourg, la vendetta qui a provoqué la mort de 6 personnes à Duisbourg, la guerre des clans calabraises risquait de s'amplifier. J'ai donc demandé à ce boss et à son clan d'intervenir pour qu'il n'y ait pas d'autres morts. Lui e la sua famiglia affinché non ci fossero altri morti. Lui è incaricato di dire. Io ieri l'ho visto tardi, oggi va a fare. Non l'ha detto fallo dove volete, perché lui ha paura per qualche calabre. Gaetano è una persona molto discreta, sì. È uno serio, sì, sì, sì. Che no, poi tu sai. Cioè, che catturare un latitante. Cioè, tu fagli capire che lui ha... Tramite Gaetano, no. Io mi figli di Gaetano, no, dico. Tu... Voglio che lui ti porti anche sì. A te in considerazione. Cioè, sì, va bene. Cioè, guarda, figli di Gaetano, mi fido, se tu mi devi mandare un'imbasciata, mi devi... Pronto? Stai. Un cartonobile. Lunedì alle 11. Va bene. Ciao, che va. Alle 11 allora. No, alle 11 lunedì. No, alle, scusa, alle 10. Alle 10 al bar del Niguarda. Ok. Okay. Ciao, 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 ciao. Sur l'échiquier de la 'Ndrangheta, Milan concentre toutes les stratégies d'expansion. Dans la nouvelle mégalopole de la Calabrese, kidnappeurs et autres trafiquants font place à la mafia de l'espace Schengen. À la famille calabraise d'origine contrôlée, s'adjoint une caste impure. Les blanchisseurs, des associés intégrés dans le tissu économique pour pénétrer le système légal. Forte d'une armée de prête-noms, la 'Ndrangheta s'impose acteur à part entière de la croissance. Con questa quantità di denaro incredibile che incassano, è la più grossa. Avec les sommes colossales qu'ils encaissent. C'est certainement la plus grosse entreprise européenne. L'entreprise mafia, comme on dit. Ils réinvestissent dans différents secteurs. Dans le bâtiment, dans le commerce, dans le tourisme. Ils réinvestissent dans des affaires apparemment légales. Mais en employant toujours des méthodes mafieuses. La 'Ndrangheta a besoin de gens compétents pour investir sans qu'on risque par la suite d'identifier les véritables commanditaires de l'investissement. Des gens capables d'occulter l'origine illégale de l'investissement. Et à Milan, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est vraiment pas ça qui manque. Ces clans de la 'Ndrangheta ont eu des enfants qui, pour certains, ont fait des études. L'un est devenu avocat, un autre expert comptable.
Ces gens n'ayant pas de casier judiciaire, ils en fréquentent d'autres qui n'en ont pas non plus. Et c'est à travers ces réseaux qu'ils parviennent à faire circuler l'argent pour le recycler. Ce sont refait une virginité. C'est comme s'ils avaient mis leur passé à la blanchisserie et qu'ils en étaient ressortis blancs comme neige. Sortant des coulisses de la corruption politique, la Drangheta avance à visage presque découvert. Campagne électorale vers son Drangheta, devant les caméras de la police. Si, affirmativo. Après Turin-Eugène, réunion de campagne à Milan. Une équipe 100% calabraise pour conquérir les voix des émigrés du Nord. Scorpio, alors un uomo con la punta bianca sta per andare via. Rocco. E mi dicono che si chiama. Le parti Italie Unie des démocrates libéraux. Tout un programme. Non moins surprenant, ses revendications. L'abolition du délit d'association mafieuse et du régime de l'isolement pour les boss. Dans le coffre de la voiture, le matériel du parfait candidat remplace la Kalachnikov. Lino, le nom de guerre de l'un des dranghettistes les plus recherchés d'Italie. Scorpio, un personnage si sta allontanando con una Ford Escort Station Wagon targata Asti ed era parcheggiata nella prossimità del locale, alla fine della farmacia. Dima, no, sai cos'è? No, per queste cose dovremmo essere tranquilli su quello perché lui sta facendo la campagna elettorale adesso. Troppo. Per il Sadeschi, con una lista per le elezioni europee. Un affilié, candidat aux européennes. Un pas de plus dans une quête effrénée du pouvoir. Des élections européennes à la haute finance internationale, les cerveaux de la Drangheta surfent sur la vague de la mondialisation. Une affaire de blanchiment international réunit les parquets de Milan et de Lugano. L'attività loro è molto rapida. Noi dobbiamo. Ils sont très rapides. Jamais on ne sera aussi rapide qu'eux dans les enquêtes, parce que, j'ose le dire, les lois sont plus que favorables aux prévenus. C'est une affaire de crime organisé, de drogue, d'armes, de délits financiers, qui aboutit à du blanchiment international. Melzi est un avocat de Milan qui faisait office de cerveau juridique, de consultant pour ces individus qui opéraient à travers un système très sophistiqué. Et c'est une grande première, jamais aucune enquête n'avait révélé cela, à travers un incroyable réseau de sociétés. Février 2008, mise en examen de Maître Melzi, un Robin des Bois au service des petits épargnants, victime du krach orchestré dans les années 1970 par le banquier Michele Sindona. Un Robin des Bois passé de l'autre côté du miroir. Il rapport con i calabresi, il rapport risalente nel tempo, insomma, io credo ha legato completamente se dentro l'organizzazione, ma in posizione subordinata. Non in posizione. Sì, molto defilata. No, forse non lo so neanche defilato, ma per esempio il rapporto con Mico, io pensavo che Mico fosse sotto, Mico invece non è assolutamente sotto. Ecco, la raccolta del denaro veniva soprattutto in Svizzera. La maggior parte dell'argento était traité en Suisse par des sociétés financières qui investissaient en Grande-Bretagne, à Londres, sur le marché d'échange, tramite operazioni di cambio. Quelques millions ont disparu. Pochi milioni sono spariti. Mancano all'appello 30 milioni. 30 millions de francs manquent à l'appel. De francs suisses. Alfonso Diletto. Lui dice, sì, no, d'accordo, eccetera, no, però sappi, dice me, che Alfonso si è impegnato a farmi dare, quindi questo coincide col discorso di Nico, a farmi dare l'appalto per le costruzioni dell'idrogeno. Ah, ora,
gente che ti dice così a quel livello, che io ritrovo fosse manovalanza, dici, va? E mico sulla droga c'era dentro fino al collo. Ecco allora che è scattata una seconda operazione di ripulitura. C'est alors qu'a commencé une seconde opération de blanchiment, la seconde blanchisseuse. Il fallait occulter l'origine illicite de l'argent qui cette fois n'était plus lié au trafic d'armes et de drogue des Calabrais, mais au fond qu'il détournait, à Zurich. Comment blanchir cet argent? En créant une série de passages purement fictifs pour faire transiter cet argent d'un compte à l'autre, d'une société à une autre. Une fois cette opération effectuée, restait un dernier passage qui consistait à acheminer, à canaliser cet argent vers deux sociétés, précisément les sociétés de Maître Melzi, l'avocat de Milan. Ensuite, de cette centrale de blanchiment, l'argent prenait la route de l'Espagne et de la Sardaigne pour des investissements immobiliers. En Espagne, l'un des associés tente de doubler Maître Melzi. Le Milanais s'adresse à un cabinet d'avocats de la Costa del Sol. Ne me dites pas que derrière tout ça se cachait la mafia calabraise. Un cabinet qui défraiera bientôt la chronique de la Cosmopolite Marbella. Rubrique Faits divers. Bon, je vais vous expliquer toute cette affaire. Voyons. Je ne sais pas comment il a connu Maître Hoffmann. Voilà, Giuseppe Melzi. Et je lui ai dit, vous devez me justifier d'où vient cet argent. Vous avez bien un contrat pour l'emprunt, une facture, quelque chose. Il m'a envoyé un document qui ne justifiait pas la dette. Et j'ai dit à M. Melzi qu'avec ça, je ne pouvais rien faire. Ce n'était pas une preuve suffisante pour réclamer auprès de son associé. Et je n'ai plus jamais entendu parler de rien. Deux ans plus tard, l'affaire Malaya, le plus grand scandale de l'histoire de la République espagnole, secoue le pays. À Marbella, les principaux acteurs de la frénésie urbanistique tombent. Parmi la centaine d'inculpés, l'avocat espagnol de Melzi. Pour l'ex-député régional des Verts, Maître Galvez, la corruption serait un sport régional. Le gouvernement espagnol a fait poner unos tapones en el oído. Le gouvernement espagnol a fermé les yeux en créant une fausse économie basée sur le secteur immobilier. Il est évident qu'autoriser un urbanisme aveugle, c'est ouvrir la porte aux mafias et au blanchiment d'argent. Le problème, c'est que l'emploi, c'est comme l'eau qui purifie le Jourdain ou l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que cela va continuer, car si on regarde les villes autour de Marbella, il s'y passe exactement la même chose, sous le sceau de la légalité. Si Marbella se cache la vérité, Marbella est une horreur déguisée. Pour moi, ça l'a toujours été. À Marbella, tout change pour que rien ne change. Le nouveau plan d'urbanisme s'apprête à légaliser 30 000 constructions illégales. Beaucoup des trafiquants d'armes présumés à l'échelle internationale sont des gens qui ont vécu des années à Marbella, des gens qui vivent à Marbella. On peut donc estimer que ces réseaux sont beaucoup plus présents qu'on ne le croit à Marbella. Plus que le trafic d'armes, il y a l'argent issu de ce trafic qui est investi en Espagne et qui se blanchit en Espagne. Y el que se blanquea en España. Hay algunas investigaciones que apuntan a selon certaines enquêtes, les gens qui blanchissent l'argent de l'ETA auraient collaboré, enfin, disons, seraient ceux-là même qui blanchissent l'argent de la 'Ndrangheta. Que son las mismas personas que blanquean el dinero para la 'Ndrangheta.
Si on parle de pays comme le Luxembourg, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, on sait parfaitement que ces pays abritent des sociétés écrans de l'ETA et des sociétés écrans de l'Andrangheta. La lutte contre le crime organisé a été reléguée en seconde place pour privilégier la lutte contre l'ETA. Marbella. Le rendez-vous du crime depuis les années 1960. Des réseaux qui se fondent dans le culte du paraître, déclinés ici jusqu'à la caricature. Marbella, ville mirage où rien n'est ce qu'il paraît. En 2005, l'Éden du crime se fissure. La police crée une brigade spéciale, le Greco. À la tête du Greco Costa del Sol, un policier joue les francs-tireurs, hors d'atteinte de la corruption. Un mal qui rongerait la police locale. Presque toute la délinquance européenne est représentée ici. Il y a des Anglais, des Français, des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des gens des pays de l'Est, des Albanais, des Kosovars, des Russes, il y en a pas mal. Les mafias italiennes sont très impliquées dans le trafic de drogue. Elles achètent directement en Espagne et importent la cocaïne de l'Amérique du Sud et le hashish de l'Afrique. La cocaïne está entrando actualmente por aquí, por el sur de España, pero utilizando la cocaína entre par ici, par le sud de l'Espagne, via les réseaux du trafic de hashish, independientemente de tout en conservant les routes qu'ils utilisent depuis toujours pour le trafic de cocaïne. La nouveauté, c'est qu'ils font escale en Afrique subsaharienne. Pour Europol, la 'Ndrangheta est une cible prioritaire. À la tête de la section anti-blanchiment, un ancien enquêteur au tribunal international de La Haye sur les délits financiers du président serbe Milošević, Mauro Falesieti. La 'Ndrangheta reste par essence une organisation quelque peu archaïque qu'on pourrait définir comme du glocalisme criminel proactif. Cette expression de glocalisme criminel proactif nous fait comprendre que ce n'est pas la globalisation qui impose ses règles à la 'Ndrangheta, mais que la 'Ndrangheta exploite et intègre tous les éléments de la globalisation, tels que la réduction des distances, la possibilité de communiquer plus facilement avec d'autres pays, le multiculturalisme et la possibilité d'entretenir des liens avec d'autres organisations criminelles de façon efficace et quasiment en temps réel. Le Patriot Act impose que tous les transferts en dollars soient monitorés. Le Patriot Act chasse hors des États-Unis les intérêts criminels de ces organisations qui peuvent être tentées d'effectuer des opérations de blanchiment dans d'autres pays. L'Europe étant l'un des centres financiers l'un des plus importants au monde, il est évident que l'Europe a absorbé une partie de ses capitaux. L'introduzione dell'euro facilita quelli che sono i trasferimenti di denaro tra i paesi. L'introduzione dell'euro facilita i trasferti d'argent entre les pays qui ont adopté la monnaie unique. Mais réduit les possibilités des forces de l'ordre compétentes d'intercepter les opérations faites en liquide. Di intercettare le operazioni fatte in denaro contante. Noi siamo consapevoli che il movimento. Nous savons que les mouvements en cash, contrairement aux années précédentes, sont en augmentation et non plus en diminution. Et ce parce que le blanchiment est aujourd'hui une parfaite adéquation entre tradition et innovation. Tradizione, quindi,
Tradition pour ce qui est du blanchiment en liquide, autrement dit les mouvements des courriers qui recherchent l'endroit le plus favorable pour introduire cet argent dans le système bancaire, financier ou commercial. Et innovation parce qu'il s'appuie sur tout ce qu'offre le marché financier pour introduire cet argent dans le système légal en le blanchissant, en l'investissant. Ce qui constitue l'acte final, le but ultime de toute organisation criminelle. Sulla presenza dell'organizzazione criminale Ndrangheta in Germania. On a beaucoup parlé de la présence de la Ndrangheta en Allemagne. Mais on n'a pas attendu Duisbourg pour découvrir que la Ndrangheta était implantée en Allemagne, comme ailleurs. Che la Ndrangheta aveva degli interessi in Germania come in altri paesi. Cette nuit-là, vers 2h20 du matin, les six futures victimes sont sorties du restaurant et se sont dirigées vers l'allée où était garée leur voiture. À ce moment-là, des individus ont surgi et ouvert le feu sur les six occupants qu'ils ont criblés de balles. Deux meurtriers ou plus se sont enfuis dans cette allée, puis ont tourné à gauche pour disparaître à droite dans la Danzigerstraße. L'Allemagne est une planque idéale quand on est en cavale parce qu'il y a plein d'Italiens qui ont des affaires là-bas, même s'il y a plus de contrôle parce qu'il s'est passé trop de choses. Ce qui est formidable, c'est qu'on en parle un an ou deux, puis tout reprend comme avant. Le problème de la 'Ndrangheta a été remisé pendant des années. On ne s'y est pas intéressé parce que la mafia italienne n'a pas fait couler le sang. Le sang ne coulant pas et l'argent coulant à flot, on ne s'est pas inquiété. Duisbourg, une ville de 500 000 habitants aux confins de la Ruhr. Une ville en perte de vitesse depuis la fermeture des mines et des usines métallurgiques. Résultat, un chômage endémique. De son passé industriel, la ville conserve une population issue de l'immigration. Deuxième communauté, les Italiens sont majoritairement originaires d'un bourg de Calabre, San Luca. San Luca, le gardien des tables de la loi. Le fief des Pellevottari et des Nirtastrangio. Deux clans opposés dans une lutte à mort. 16 ans de vendetta, 20 meurtres et pas une seule arrestation. Une vengeance sans fin exportée en terre allemande. Et pour les compatriotes, difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas se faire complice. Un petit service, un grand silence, ça ne se refuse pas. La mafia n'est pas tombée du ciel. Elle a toujours été là. C'est pas parce que cette histoire est arrivée qu'ils n'en avaient pas tué avant. Ils en ont descendu plein. Là, ça a été un peu spécial, disons. Un peu différent, parce qu'ils sont venus exprès dans le coin. Et ta-ta-ta-ta. Mais sinon, elle a toujours été là, la mafia. La 'Ndrangheta, c'est les types qui te tranchent la gorge. C'era un cambio di... Il y avait plein d'affaires à faire, surtout après la chute du mur. On a commencé à l'Est, la Russie, la Pologne, etc. Puis on s'est rapproché peu à peu. Ce que personne n'a compris, c'est que beaucoup de notre argent a participé au Nouveau Berlin. Après la chute du mur, vous ne pouvez pas imaginer les capitaux italiens qui circulaient. En Allemagne, c'était plus facile. On ouvrait un restaurant, même si on n'y travaillait pas. On y mettait un type en querelle qui faisait semblant de bosser. Et c'était une bonne couverture. Tout le monde n'y voyait que du feu. Dans un pays en quête d'investisseurs, les capitaux sont les bienvenus. Pour la 'Ndrangheta, le service commercial constitue un avant-poste. Dans la tranquille ville de Mülheim, Francesco Lombisani est un émigré de la première heure. 40 ans d'Allemagne, 40 ans de faillite.
Certaines personnes, on n'y touche pas. Francesco Lombizzani, il était là au tout début. C'est un arnaqueur de première. Je peux le dire parce que c'est la vérité. Il n'a jamais eu aucun problème. Il a investi plein d'argent pour la 'Ndrangheta. Il s'en est toujours sorti. Il a fait un peu de prison, trois fois rien. La police allemande le surveillait, mais elle n'a jamais compris. Ou jamais voulu comprendre. La police sait parfaitement où sont implantés les clans de la 'Ndrangheta en Allemagne. À de rares exceptions près, on n'entreprend cependant aucune action contre eux. Et ce aussi parce que la législation est différente en Allemagne et en Italie. Que la mafia considère l'Allemagne comme une seconde patrie, ce que je peux dire, c'est que ce genre d'organisation s'installe là où elles peuvent continuer leurs affaires sans risquer d'être inquiétées. En un mot, un système libéral où on peut mener ses affaires sans que l'État ne se pose trop de questions tant qu'on paie ses impôts. Et ses impôts, la mafia, elle les paie pour blanchir son argent sale. Bien sûr que c'est un problème politique, et ce pour deux raisons. Le crime organisé n'intéresse personne. Les mafias italiennes, encore moins. Le problème, c'est que les politiques sont focalisés sur la lutte contre le terrorisme islamique. Les meurtres de Duisbourg ont montré aux politiques qu'on doit agir. Si j'étais cynique, je dirais qu'il faudra faire couler beaucoup de sang en Allemagne pour qu'on commence à s'intéresser au problème. Et encore. Duisbourg, une opération militaire orchestré par un réseau parfaitement intégré. Si les immigrés ne peuvent refuser un service, la population locale peut aussi se faire le complice involontaire ou volontaire de la 'Ndrangheta. Six jours avant le massacre, l'un des assassins présumés se présente dans une armurerie, un élégant magasin d'articles de chasse, dans une élégantissime avenue de Düsseldorf. Depuis 2005, le client est inscrit dans les registres sous un prénom d'emprunt. Marco Strangio, alias Giovanni Strangio. Condamné pour port d'armes illégales en Italie, restaurateur modèle en Allemagne. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander des informations sur Marco Strangio. Marco Strangio. Le client passe commande pour la veille du massacre. Il n'en sait rien. C'est une personne, Marco Strangio, ou quoi ? Deux gilets pare-balles et 100 cartouches pour des armes de guerre interdites à la vente. Il ne connaît pas ce nom parce que je ne l'ai pas écrit. J'ai vendu 10 ou 12 gilets pare-balles il y a quelque temps. Vous vendez des munitions pour des Glock ? Glock pistons ? Non. Non, on ne vend pas de munitions pour des Glock. On vend tout ce que vous voulez. Des munitions pour des fusils de chasse, pour tout. Et vous vendez des munitions pour des Beretta 92 ? Non, je n'en sais rien. Deux semaines après la tuerie, le chef du rayon armes reconnaîtra formellement l'un des assassins présumés de Duisbourg. Après l'assassinat de 6 ressortissants italiens à Duisbourg, une task force destinée à améliorer la coopération entre l'Italie et l'Allemagne a été créée à l'initiative du BKA, la police criminelle fédérale. À ce jour, cette task force n'est encore qu'un tigre de papier, si je puis dire. Les racines du problème se situent en Italie. Le meilleur moyen de le combattre est d'accéder à la source. C'est donc essentiellement à l'Italie de prendre ses responsabilités.
Et les responsables politiques vont se garder de poursuivre ceux qui les soutiennent, ceux qui agissent en leur faveur d'une manière ou d'une autre. Le massacre de Duisbourg, six morts annoncés depuis la Calabre. Depuis plus d'un an, les deux clans sont sous haute surveillance. San Luca, Noël 2006. Réveillons chez le boss Giovanni Nirta. En guise de panettone, une fusillade. La cible, les deux parrains du clan. Erreur tragique. Maria, la femme du boss, tombe sous les balles. Après six ans de trêve, le crime de lèse-majesté relance la spirale sanglante. Tu me rappelles le jour de Noël comme un jour de deuil. Parce que tu as tué ma femme, ma mère, ma tante, ma cousine. Moi, je te rappellerai ta vie entière le jour de l'Assomption, non pas comme un jour de fête, mais comme un jour de deuil. C'est la preuve, la contradiction, l'apparente contradiction d'une criminalité encore basée sur des éléments traditionnels tels que les rituels. Une criminalité dont certaines stratégies sont conçues dans des villages perdus au fin fond de la montagne. Alors que les nouvelles générations ont choisi des moyens de communication de pointe. Une haine farouche oppose ces clans. Une haine suscitée par le sang versé. Ça a été la marque de cette vendetta de San Luca qui remonte au début des années 1990. Le sang appelle le sang. Et si je t'élimine, comment dire, j'assouvis mon désir de vengeance. Et je sais aussi que si je t'élimine, j'affermis mon pouvoir sur les marchés illégaux, aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Dans les prisons, les femmes prennent les ordres, les épouses, des soldats au service des clans. Avec les mariages arrangés, les alliances se nouent, les fiefs se renforcent. Un système féodal au service du crime. Au parloir se joue la guerre, la paix, les affaires. Pour venger Maria, les Nirta Strangio fourbissent leurs armes. Les Pelevottari sont prêts à offrir un parent éloigné en sacrifice. Veillée d'armes du clan Pelevottari. Dans la nuit, une arme tombe. Le soldat revient sur ses pas. La machine infernale est en route. Tueur à San Luca, victime à Duisbourg. Le faux semblant, l'art premier de la Drangheta. Planque improbable pour les mafieux en cavale, pour les soldats menacés par la guerre des clans. Les bunkers sont des quartiers généraux. Des montagnes, des villages en trompe-l'œil criblés de trappes, de puits, de vannes d'irrigation, de murs escamotables, de vérins hydrauliques, de systèmes à crémaillère, de gaines de ventilation, de boyaux convertis en voies de communication, partent les ordres. Vers Milan, vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers l'Europe. Impossible de quitter le territoire. S'exiler, ce serait perdre le commandement. Sa
16 octobre 2008, moins de 2 ans après le massacre de Noël, 1 an après Duisbourg, interpellation d'Antonio Pelle, commanditaire du meurtre de Maria. En 14 mois, plus de 60 arrestations pour tenter d'imposer la paix. Une paix armée, prête à se briser. Palais de justice de Reggio. Au lendemain des élections du printemps 2008, le procureur Giuseppe Pignatone entre en fonction au palais dit des Venins. Une semaine suffira pour découvrir un micro-espion dans le bureau de l'un des magistrats en charge du dossier Duisbourg. Ce jour-là, du chef de la squadra mobile et locale au commandant des forces spéciales, du procureur adjoint national et jusqu'au procureur général, le Gotha de l'antimafia italienne est réuni. L'absence de vision sur la légalité qui a accompagné des années de politique italienne est en train de contaminer l'Europe. Je ne veux accuser personne, mais cet aveuglement historique, cette étroitesse d'esprit face au problème, je les retrouve aujourd'hui dans beaucoup des pays européens, l'Allemagne en premier lieu. J'en ai assez de travailler dans ces conditions et de m'entendre dire que je ne peux saisir le lieu où la mafia a symboliquement supprimé la vie de 6 personnes uniquement parce que la loi allemande est différente de l'italienne. L'ordinamento tedesco è diverso da quello italiano. Questa è la risposta dell'Europa. C'est ça la réponse de l'Europe au massacre de Duisbourg. Et personne n'en parle. Si on se refuse à comprendre la gravité du problème et l'exigence d'opérer ensemble, d'ici 20 ans, les questions mafieuses auront envahi l'Europe. Oh!